Gros plan ce vendredi soir sur une femme très discrète, mais qui officie depuis 30 ans au tribunal administratif de Papeete. Il s'agit de Donna Germain, la greffière en chef, décorée aujourd'hui de l'Ordre national du mérite pour l'ensemble de sa carrière consacrée aux citoyens. Ce soir, nous vous proposons son portrait qui est signé Brigitte Olivier et Patita Savea. J'appelle le dossier 20-239. Les consorts Terra Amai, représentés par Maître Neufer, ici présent. Elle a de la voix, ce petit bout de femme qui se nomme Donna Germain, et il lui en faut pour convoquer deux fois par mois tous les dossiers qu'elle gère sous l'autorité des magistrats du tribunal administratif. Depuis 1985, elle assume un rôle précieux pour le président de l'instance. C'est fondamental parce que la greffière en chef, c'est le pilier du tribunal, c'est sa mémoire. C'est l'organisation du tribunal qui repose sur ses épaules et c'est tous les contacts avec l'extérieur, avec le Conseil d'État. Pour une juridiction administrative, c'est évidemment le point important, mais aussi le Haut Commissariat, les diverses administrations. C'est la gestion budgétaire, c'est la gestion des ressources humaines, c'est la vérification du bon respect de la procédure contentieuse, donc c'est le pilier de la juridiction. Donna est entrée sur concours au tribunal administratif. Elle a bénéficié d'une formation continue tout au long de ces années et n'a jamais été rebutée par le côté rébarbatif des affaires à instruire. Au contraire, elle est heureuse de remplir cette fonction qui incarne pour elle l'essence d'un pays libre. Voilà, les décisions des hommes politiques, de nos institutions, peuvent être contestées. Et ça, c'est important. Puisque la France est une république et une démocratie, voilà, il faut savoir que lorsque vous recevez une décision de l'administration, elle peut être contestée devant le tribunal administratif. Et nous sommes là pour aider les gens, aider les justiciables à trouver une justice à leur écoute. Et on n'est pas des juges, certes, mais nos fonctions sont en relation avec le public, les justiciables. On aide au maximum. Vous aimez ça, hein ? Oui, je suis passionnée par mes fonctions, mon métier, avec une très très bonne équipe. Toujours de bonne humeur, gaie, vaillante, cette mère de famille ne compte pas prendre sa retraite tout de suite. Sur la porte de son bureau, l'ancien écriteau de son prédécesseur n'a pas été changé, elle n'en a cure. Sa féminité, sa fonction n'ont pas besoin d'être affichées par des symboles. Je suis fière d'être greffier. J'ai été nommée il y a 36 ans greffier et il y a 20 ans greffier en chef. Pour moi, peu importe, je suis heureuse, je suis fière de mes fonctions et j'essaie de remplir mes fonctions avec passion et enthousiasme. Donna reçoit donc l'Ordre national du mérite, une médaille qu'elle considère comme une juste reconnaissance pour tout le travail accompli. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.